J'admire ta dévotion, même si ta cause est perdue. Allez, battons-nous. Sois pas Batman. Sois beaucoup. Bien joué. Voyons voir comment tu règles ça. Je vais. C'est l'heure du grand test. Allez, sois attentif. Gagne ta place ou meurs. Tu ne fais pas le poids contre moi. Testons ta vie. Je vais te montrer ce qu'elle fait. Allez, sois toi. Tu ne fais pas le coup. Le test est fini. Et avec lui, ta vie. Le sens de l'honneur, fidèle. Je comprends pourquoi le maître t'a choisi. On a tous les deux appris quelque chose aujourd'hui. Je me fiche pas mal de toi et de ton maître. Je vais t'arrêter. Il n'en est pas question. Mais tu as mérité un sursis. J'espère que tu finiras par réaliser que tu te trompes au sujet de Gotham. Cette ville ne mérite pas d'être sauvée. Il est impossible de la sauver. Il faut la nettoyer pour qu'elle renaisse de ses cendres. Alfred, je vous envoie plusieurs coordonnées. Celle d'un cadavre et celle d'un survivant. Veillez à les transmettre au GCPD. Bien sûr, monsieur. Peut-on considérer que le dossier est bouclé ? Pour l'instant, je suis persuadé que je reverrai Shiva.
On a une mission potentielle. Restez sur ce canal. C'est pas un piège. Les choses vont devenir énormes. Maman répétait que je ferais un bon boucher. Je suis un excellent. Le service se trompe à ton sujet. Je le savais. Qu'est-ce qu'il faut là-dedans, après quoi ? J'en ai aucune idée. La classe bleue. Ouais, je donnerais bien quelques payes à notre bon vieux patron. Moi aussi. Mais tu crois qu'on peut faire confiance au nouveau ? Thank you.
Personne ne rentre ni ne sort. Électromagnétique sur les gants de l'électrocuteur. Vous pouvez désormais le suivre avec votre scanner. Un peu tard, Alfred. Je suis sur le point de mettre la main sur Black Mask, et peut-être aussi sur le Joker. Eh bien, en tout cas, il est prêt si vous en avez besoin. Il est minuit passé. Ils changent les codes de sécurité et ils interrogent Black Mask. Enfin, à ce qui paraît. Ah, super! On dirait qu'on est coincé là pour la nuit. Il paraît que le patron a essayé de buter Batman à la banque, mais qu'il a foiré. Ouais, il a essayé de sauter la banque sur sa gueule. Il y a eu une énorme explosion, ça a presque fait péter l'immeuble. Je me demande comment Batman a survécu. C'est ça le problème du nouveau patron, toute cette mise en scène. Si Roman avait voulu tuer Batman, il aurait tiré une balle dans la tête et une autre dans le cœur, histoire d'être sûr. Et puis, il aurait jeté dans le fleuve avec des chaussures en béton. Personne ne pourrait revenir après ça, même pas les plus forts. Ouais, si Odin aurait dit tout ça. J'ai besoin d'une arme. De quoi tu parles? Tous nos gars, ils sont disparus, comme par magie. Billy, Paul, Frank, tu penses pas que c'était Batman, hein? Batman? Ici, il veut sûrement venger du patron qui a essayé de le tuer.
qui est entièrement automatique. Il n'y a pas de raté. Comment tu sais que ça marche? Crois-moi, ça marche. Je dois pirater cet ordinateur pour trouver le code de sécurité de la porte. Alfred, je transfère des données dans des serveurs de Black Mask. J'ai besoin des codes pour franchir la porte sécurisée sur le quai. Réception en cours, monsieur. Intéressant. Sionis s'était fait poser un pacemaker. Il est indiqué qu'il était atteint du syndrome du QT long. Tout ce qui augmente son rythme cardiaque peut entraîner un arrêt du cœur. Sionis faisait suivre le Joker. Ses photos le montrent en train de récupérer des produits servant à faire des bombes. Si je trouve Sionis, il me dira ce que le Joker mijote. J'ai trouvé les codes de sécurité que vous cherchiez. Bonne chance, monsieur. Bruce, en étudiant les dossiers de Sionis, j'ai trouvé une référence à un produit chimique similaire au composé nécessaire pour votre grenade collante. Je vais essayer de le synthétiser dans notre labo. Si cela fonctionne, j'aurai un prototype dès que la résine aura séché. Bien, ça me sera utile. Plus j'en apprends sur le Joker, plus je me rends compte qu'il y a quelque chose de très différent chez lui.